Étouffe-toi avec! Une Valkyrie. On doit la sauver. Réfléchis avant d'agir. Sommes-nous prêts à affronter un ennemi si puissant? Si t'es prêt, moi aussi. Oui, moi aussi. Si ça intéresse quelqu'un. Délivré de ma forme charnelle,
Je ne saurais vous remercier. Pourquoi vous étiez piégé? Je n'en suis pas sûr. Mon esprit est trouble. Le Rockstall à Valkyr est la seule chose dont je me souvienne. Le quoi? Le Valhalla m'attend. Je dois partir. Qu'est-ce que c'est, Mimir? C'est une sorte de salle de conseil cachée dans Midgard. Les Valkyries avaient besoin d'un lieu où elles pourraient se concerter sans être épiées par Odin. Elles se pensaient à l'abri, mais tu sais ce qu'on dit. Le père de tout voit tout. Où elle est? Tu te souviens de la salle avec les 8 trônes? Je crois. On a visité des tas de lieux différents. Elle se trouve à gauche des 2 statues de Rameur. Je n'en ai pas parlé sur le moment parce que je n'étais pas sûr de moi. Tu penses qu'elle découvrira ce qui est arrivé aux Valkyries? Cette salle avait une importance toute particulière pour elle. Nous y trouverons quelque chose, j'en suis convaincu. Tu n'as vraiment aucun respect pour moi! Vous êtes... deux!
Denis Petit, le Conseil des Valkyries. Les Valkyries viennent du Valhalla, n'est-ce pas? Content de voir que tu suis, mon frère. C'est exact. Le Valhalla, la grande halle des Eneriars, est leur demeure à Asgard. Mais là-bas, elles sont sous la supervision du père de tout en personne. Et les relations entre les Valkyries et Odin étaient tendues lorsque je lui servais de conseiller. Quoi? Oh, c'est une très longue histoire, petit. Pour l'instant, contentons-nous de chercher des indices. Gunnar, maîtresse de la guerre. Après chaque conflit, elle venait sur le champ de bataille pour désigner les esprits dignes de rejoindre le Valhalla. Une basse besogne dont elle retirait une grande fierté. Chaque conflit? Impossible. C'est la vérité. Elle était aidée par ses sœurs, certes, mais Gunnar était la première sur place. Son jugement des guerriers tombés était sans pareil, et une ressource inestimable pour Odin. Je vous présente Kara. Voyez-vous, les Valkyries sont impétueuses par nature, mais Kara, cette femme était une tempête incarnée. Une tempête? Oui. Calme et sereine, puis le vent tourne et la fureur de sa tempête se déchaîne. C'était magnifique. Dans un sens, si vous parveniez à vous mettre à l'abri, ses larmes nettoyaient le sang sur les champs de bataille. Où est-ce qu'on va maintenant?
je suis d'humeur créative. On est perdu. Non. Je me demande ce qu'on fait encore ici. Le secret de tout art, ce sont les détails. C'est vrai qu'il y a plein de choses à voir ici. Si il n'y a aucune urgence. Une minute. Non, oui, entrez. Ah, c'est fabuleux. Pensez à vous laver les mains.